c'est par ça que je voulais commencer. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment content de poster une vidéo qui... C'est la vidéo qui m'a fait le plus mal à faire. Non. Et la raison pourquoi je n'ai pas posté de vidéo dernièrement, c'est que j'ai beaucoup d'affaires sur ma table. J'ai ce chien-là, un stand-up, écrire des jokes, gérer mes réseaux sociaux, il y avait les vlogs, faire le montage des vlogs, puis en plus, il y avait m'occuper du bordel. Fait que ça faisait trop d'affaires en même temps, j'ai décidé d'arrêter les vlogs, puis de me concentrer sur le stand-up, mon show qui va super bien, mais ça manque les vlogs, je trouve ça le fun, il y a quelque chose de cool là-dedans, j'apprenais à me faire du montage vidéo, j'apprenais à filmer, quelque chose que je trouvais le fun, fait que là, j'ai pas le choix de prendre une grosse décision. Je lâche le bordel. Mais je lâche comme administrateur. Ça fait longtemps que le bordel existe, ça fait déjà 9 ans. Au début, je m'occupais de la programmation. J'ai laissé ça à Julie Lacroix, qui fait une super belle job. Maintenant, c'est rendu Mason. Il y a Mélissa Fauteux qui arrive dans le décor. On a eu des Mathieu Lacroix, d'Alex Poulain, Luc Bellil, Daniel. Tu sais, comme c'est pas juste moi le bordel, mais là, faut que je délaisse le tout. Puis quand j'ai fait l'annonce un peu sur un des groupes d'humoristes sur Facebook, j'ai fait la joke de hey, je lâche le bordel, vous avez des demandes de tournage, des demandes de booking, écrivez à telle personne. Moi, je me remets à ma carrière de BMX. Et il y a du monde qui l'ont pris au sérieux. Mais il y a vraiment du monde qui l'ont pris au sérieux. J'ai eu plein de messages, genre comme oh mon Dieu, Charles, pourquoi tu lâches l'humour? Bonne chance dans ta carrière de BMX. Mais genre, je peux pas croire que du monde ont pris vraiment ça au sérieux. Mais tu sais, j'ai déjà été bon en BMX. C'était ma vie de 17 à 24 ans. Je fais ça professionnellement. Mais là, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'en faire. J'ai pris du poids. La plupart du monde arrête leur carrière genre début trentaine. Moi, à 36 ans, j'ai recommencé à faire du BMX. S'il y a du monde qui ont cru, c'est peut-être possible. Fait que c'est sûr que j'ai pas le calibre des professionnels actuels, mais est-ce que je serais capable, mettons, de refaire les trucs que je faisais à ma première compétition pro? On va aller au TAS, on va voir si je suis capable de lender mes vieux trucs de compétition. Boop! Bon, on se met pour le TAS. Stressé pour de vrai. J'espère que je vais être capable de l'amener la plupart des trucs. J'ai comme plus le droit de me faire mal, c'est ça qui me stresse. C'est comme dangereux, niaiseux comme sport. Il y a comme quelque chose de... Je sais qu'il va y avoir des jeunes qui sont meilleurs. Avant, c'était pas le cas. Fait qu'il y a comme l'orgueil qui embarque, qui fait mal. Et on est presque arrivé. Le TAS, c'est le plus gros skatepark intérieur au Canada. Ça l'a ouvert en 1996. À l'époque, c'était au métro Berry-UQAM et c'est un endroit où j'ai grandi là-bas comme athlète, comme personne. C'était incroyable. Ça l'a fermé pendant une dizaine d'années et puis après ça, ça l'a rouvert sur Papineau, pas loin du métropolitain. Un endroit tout neuf, c'était magique. J'étais le premier gérant du skatepark là-bas et c'était magique. J'avais les clés, je faisais du BMX non-stop. Et là, de retourner là-bas à 36 ans, quand personne ne me reconnaît, je dois payer mon entrée. Je suis juste rendu un vieux monsieur qui s'en va en haut dans la poule se réchauffer. Je suis surpris à quel point le réchauffement se passe bien. Je me sens bien sur mon vélo. Et là, je descends en bas. Le premier truc que je voulais faire, c'est un bar spin. C'est un truc que j'adorais faire. Tourner le volant. C'est un truc qui me faisait vraiment peur parce que si tu rattrapes pas le volant, c'est sûr que tu te fais vraiment mal. Je suis en haut de la rampe. J'ai peur, mais j'y vais. Pas game de lancer le volant. Deuxième essai, je le lance, mais... Troisième essai, je l'ai. Fait que là, OK, c'est parti. Deuxième truc sur 6, c'est le tail whip. Premier essai, mets un pied à terre. Deuxième essai, ça va bien. Je me dis, si ça me prend juste deux essais tout le temps, la journée va bien aller. J'adore l'achat de la GoPro. Ça donne vraiment le feeling de c'est quoi être sur un BMX puis voler dans les airs. Tant qu'à être sur les jumps, je me lance tout sur le 360. Puis honnêtement, 360 va bien, fait que je le fais tout de suite sur le deuxième jump, puis pourquoi pas un tailwhip en sortant. Et là, la confiance revient, je me sens comme un kid de 22 ans qui est super en forme, qui garde tout faire. Mais la confiance n'est pas restée longtemps parce que là, le prochain truc que je dois faire, c'est un wall ride. Et les wall rides, c'était un peu ma spécialité quand j'étais jeune, j'adorais, j'en faisais des super hauts, j'étais capable d'en faire sur n'importe quoi, j'étais capable de faire des tailwhips en sortant. Mais je me suis rappelé que ma dernière grosse débarque, c'était quand on filmait un vidéo pour une compagnie de vélo de montagne, et j'avais essayé de faire un wall ride. Et mes roues avaient pas collé sur le mur et ça donnait ça.
Fait que vous comprenez que j'étais vraiment chicken pour essayer ça. Et j'ai vraiment été chicken. Ça m'a pris 15 minutes avant de l'essayer. Puis quand je l'ai essayé, mes roues ont pas collé sur le mur. Fait que ma roue arrière a comme accroché sur le dessus de la rampe. J'aurais pu me faire mal, mais j'y retourne tout de suite juste pour comme enlever ce truc-là de la liste. Fallait que je le fasse. Puis c'est pas le plus beau que j'ai fait, mais ça compte. Là, c'est une manœuvre un peu plus technique. C'est un 900 tail tap qu'on appelle. C'est que tu fais deux tours et demi sur en arrière, puis tu retombes. Puis le premier essai va super bien. Je me dis, hey, en dedans de deux essais, je vais l'avoir. 28 essais. Ça compte. Oh. J'ai mal partout. J'ai pogné un solide coup de vieux en commandant un sandwich. Je me suis fait vouvoyer par la caissière. Moi qui pensais que j'étais encore jeune et hip sur mon petit BMX. Nyeh. Le skatepark ferme dans une heure. Je suis brûlé mort. J'ai plus d'énergie, mais je veux vraiment réussir les 6 trucs que je m'étais dit. Et le truc, c'est un flare. Puis ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je suis stressé, je regarde même des tutoriels sur comment le faire. Bon, je suis prêt. J'ai beau avoir fait ce truc-là 10 000 fois, je suis stressé. On dirait que c'est le fait que j'ai la tête en l'envers qui me stresse plus. Je l'essaye une fois. Mais là, je le réessaye. Oh non! Qu'est-ce qui manque? Puis il y a quelque chose qui marche pas. Fait que je regarde même avec les gars qui me filment sur comme qu'est-ce que je fais pas correct. Et je vais le tout pour le tout pour une dernière fois parce que le skatepark comme dans 5 minutes. Il y a de quoi qui a bougé dans mon dos qui a fait mal. Je me dis, je vais-tu quand même, tu sais, comme je vais-tu passer la douleur et je décide de pas le faire. Je décide d'abandonner. Je le fais pas. Je vais peut-être le refaire un jour, mais là, il y a la fatigue qui est embarquée. Il y a, oui, me donner des défis, mais je l'ai essayé, c'est correct. Puis, abandonner, je trouve ça tough. Je suis un gars qui est orgueilleux, mais c'était la bonne chose à faire. La preuve, c'est qu'en sortant de là, il y a une ambulance qui est arrivée pour quelqu'un qui a pas su s'arrêter. Fait qu'en gros, la morale du vidéo, c'est que non, je lâche pas le stand-up pour retourner au BMX. Si vous voulez me voir faire du BMX, on va peut-être se recroiser parce que j'adorais juste reconnecter avec ce sport-là. Mais je préférais que vous veniez me voir faire des blagues à la place. Et checker mon site internet, là, il y a plein de dates de spectacles. Sinon, like, subscribe, tout ça. Je recommence à mettre des vidéos chaque semaine et là, cette fois-ci, je le fais pour vrai. La vidéo de la semaine prochaine, c'est que j'essaie de battre un record en humour, j'en dis pas plus. Fait que à la semaine prochaine. Peace! Wow, I'm on camera. I like when you put my bottle there. Imagine les boxeurs maintenant. Bye les amis, cool. Salut, Mel. Bonjour mon gars, t'es en train de filmer, tu veux-tu un petit morceau de salade? Non, t'es gentil. Dommage, c'est très bon la salade après le du bébé. Oh. Ça va être dodo direct. Oh oui? Dodo et Robaxatec. Robaxatec, hein? Antiflogistine, aspirine.